Bonjour Camille. Bonjour Vanny. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans la boutique Denis Durand Couturier. C'est un couturier canois qui a plus de 25 ans d'expérience et qui fait toutes ses robes lui-même à la main. Donc on peut voir des créations de jour et également des robes du soir. Je fais mon stage ici et en parallèle pour Russe Bijoux, qui est basé à La Ciotat, donc je me déplace et je fais le lien entre les deux marques. Alors mes missions, c'est promouvoir la marque, les réseaux sociaux en tant que community manager et essentiellement pendant le festival de Cannes parce que ce magasin va se transformer en showroom exceptionnel où des coiffeurs maquilleurs vont être sur place et on accueillera des personnalités et des stars du Gotha pour les coiffer, maquiller et parer de bijoux. Alors tu peux nous présenter un peu plus en détail tes missions, qu'on sache exactement en quoi ça consiste pour les étudiants FAPiens. Alors mes missions, je dois d'abord regarder toutes les tenues, les mettre en avant, gérer les shootings, les réseaux sociaux, les dossiers de presse, communiqués de presse, interagir avec les attachés de presse d'artistes et personnalités parce que les marques de bijoux et de haute couture sont très demandées par beaucoup de stars, notamment pendant le festival de Cannes. En plus du showroom, le 23 mai, les deux marques, donc Horus Bijoux et Denis Durand Couturier, s'associent pour une bonne cause et organisent une soirée pour l'association Le Sourire de Lucie. Cette soirée sera dans un jardin zoologique, donc en plein festival de Cannes, et sera parrainé par Son Altesse le Prince du Luxembourg. On espère venir vous voir. Oui, bah vous êtes les bienvenus. Pouvoir vous poser quelques questions ce soir-là. Oui, bien sûr. Merci.